Bonjour, bienvenue à votre émission L'horticulture dans tous ses états. Bien là, on est dans nos états parce qu'on est en train de faire du rempotage de nos orchidées de la semaine dernière qu'on avait préparées. Oui. Puis là, tu avais préparé un terreau spécial. On va récapituler un petit peu qu'est-ce qu'on avait mis dedans. Oui, c'était un terreau pour orchidées. Il n'y a aucune terre là-dedans. OK. Copeaux de bois, baies d'argile. Dans ce mélange-là, j'avais de la pierre volcanique. Il n'y en a pas dans tous les terreaux, okay. Mais si on a la baie d'argile, il n'y a aucun problème. Un peu de charbon pour apporter une certaine, pourrait dire, stérilisation, mais c'est parce que le charbon de bois a un effet peut-être, je dirais, antifongique, non? Mm-hmm. Pour éviter les moisissures. Okay. Puis mousse de tourbe ou sphaigne. OK. Je préfère la sphaigne, mais là, je n'en avais pas. Fait que okay. La mousse de tourbe. Bon. Ensuite de ça, on a nettoyé nos racines. Oui, on a gardé nos orchidées toute la semaine comme ça, en les vaporisant à chaque jour. Mm-hmm. Parce que là, les racines à nu comme ça, on n'a pas le choix de les garder humides. Ouais. Là, on le voit, là, sont très humides, sont vert foncé, sont toutes gorgées d'humidité. Fait qu'ils ont été fraîchement vaporisés, sont okay. Prêtes pour le rempotage. Bon. Mais là, je vois que tu as... C'est un montage spécial. Oui, un montage spécial. Mais c'est un panier d'osier. C'est un panier d'osier. Si on arrose là-dedans, là, ça va faire quoi? Ça va couler. C'est. Oui! Oui c'est un problème dans le salon. C'est hein? Un problème, oui. Bon, c'est sûr que c'est plus compliqué qu'un pot ordinaire. Même à orchidée, qu'on a la soucoupe en dessous, qu'on va arroser à l'évier, qu'on laisse égoutter, qu'on remet en place. C'est, ouais. C'est pas du tout pareil. Parce que là, je veux que t'as un géotextile oui, dedans. Oui, mon là. Géotextile, en fait, il est là pour... parce que je veux éviter que ma tourbe passe à travers les petits trous du panier. OK, oui. Déjà ouais. Que je vais avoir l'eau à gérer, ouais. Je veux pas avoir de la tourbe partout dans ma bibliothèque. Fait que... ouais. C'est sûr que l'arrosage va être différent. Là, comme on disait la semaine dernière pour l'arrosage de l'orchidée en pot... On l'immerge, on la laisse s'assécher. OK. Le panier là, d'osier. Tu pourras pas faire ça. Je pourrais pas l'immerger, c'est bien entendu. OK. C'est certain. Je vais on devoir. Faire quoi? Ouais, je vais devoir l'égoutter comme faut, par exemple. Ouais. Mais je vais l'emmener dans la salle de bain. OK. Je vais l'arroser dans le bain, sans l'immerger. Je vais arroser en surface. Je vais lever mes feuillages pour arroser au sol. Je vais peut-être arroser. Plus légèrement que si j'aurais eu des orchidées en pot. OK. Parce que, et de un, là, je vais avoir une grosse quantité de terreau. Mm-hmm. Fait que c'est bien évident qu'il va avoir. L'humidité va rester plus longtemps. OK. Puis en plus, qu'ils vont être regroupés. Ils vont être plusieurs. Fait qu'ils vont. Des plantes regroupées, ça garde toujours une humidité supplémentaire. Oui, oui, oui. Fait que je vais arroser moins. Peut-être un petit peu plus souvent. Puis c'est sûr qu'il faut que je laisse égoutter. Comme il faut comme avant il faut. D'aller oui, mettre oui. Ton... Puis l'idéal, c'est sûr que si on a... moi, j'ai dans le salon une espèce de support en métal. Oui. Fait que ça dérange moins. Là, c'est sûr que c'est très aéré. Fait que mon dessous de panier va s'assécher quand même assez rapidement. Oui, OK. Sinon, ben on place sur une plaquette de... Je pensais au souplat de liège oui. Qu'on peut utiliser. Oui. Ça serait à vérifier. C'est sûr qu'il faut être plus attentif là, voir parce que ça se début. Peut qu'il y ait des moisissures oui, qui se développent. L'osier va finir par se décomposer. Se dégrader, oui, c'est ça. C'est même bien si entendu. Il est verni, là, il va finir oui. Par se... Oui, parce que là, il va avoir une humidité constante quasiment c'est dedans. Ça. Fait que je vais... C'est sûr que ça va être temporaire. Mm-hmm. J'avais le goût de le faire, le temps que je vais l'avoir. Un autre test? C'est ça. Quand que je vais voir que mon panier veut vraiment se dégrader, ouais. Je vais tout changer ça de peau, puis je vais les rempoter. Ouais. À une autre période, bien entendu. Ouais, parce que là on est en... C'est la saison, on n'est pas dans tellement en saison idéale pour le rempotage au mois d'octobre. Là, c'est ça. C'est sûr que c'est pas une saison idéale pour les plantes en général pour le rempotage. OK. On fait ça en cas d'extrême, dans le fond, si on a vraiment besoin. Mais l'orchidée, le phalaenopsis est différent. OK. Ça les dérange pas vraiment. Ah.
Par expérience, là. OK. J'ai jamais vu de différence si je la rempotais au printemps ou si je la rempotais à l'automne. La seule différence qu'il y a, c'est entre les floraisons. Quand elle est en fleur, on ne rempote pas une orchidée en fleur. Wow, c'est bien ouais. entendu, parce okay. qu'on va compromettre la floraison si on va jouer après les racines. Okay. Fait que, tant qu'elle est en fleur, on ne la rempote pas. On rempote toujours entre deux floraisons. Puis souvent, entre deux floraisons, j'essaie d'en trouver une qui a une nouvelle feuille. Puis regarde, tu vois, ils ont pas mal toutes faites leurs nouvelles feuilles. Comme elle ici, sa dernière feuille qui a sorti, c'est elle. On va la mettre un peu plus site. Okay. Sa dernière feuille qui a sorti ici, c'est celle-là, c'est okay. la plus récente. Elle est plus petite. Fait qu'entre deux floraisons, ils vont faire une à deux nouvelles feuilles. OK. Fait que ça, même s'il y a une nouvelle feuille en devenir, ouais, ouais, ouais. ça dérange pas. On peut les rempoter. Okay. L'important, c'est de le faire entre deux floraisons. OK. Parce que c'est ça, c'est. On veut pas. C'est sûr que si on touche aux racines, là, les fleurs tombent. Ah ouais, OK. Fait que ça, on y touche pas. Oui, on y tient à nos Mis fleurs. À part ce temps-là, ben c'est ça. Mis à part ce temps-là, moi, personnellement, j'ai pas vu de différence là, de comportement. Quand je dérempotais à l'automne, il n'y a pas de problème. Bon. Fait que la façon de rempoter, là, j'ai mis un peu de terreau dans le fond de mon panier. Là, mon terreau est toujours préalablement humidifié, bien entendu. Oh, oui. Ça va beaucoup mieux parce que la tourbe, c'est, ou la sphène, quand c'est trop sec, c'est dur à humidifier. Mm-hmm. L'eau va perler dessus, elle va passer tout droit. Okay. C'est dur à humidifier, fait qu'habituellement, puis le copeau de bois ne garde pas nécessairement, il n'y a pas un taux d'absorption, de rétention élevé. Okay. Il va être humide en surface, mais dans le milieu, l'eau ne se rend pas jusque dans le milieu. Oui, okay. Fait qu'il y a un pouvoir de rétention d'eau superficielle, je dirais. Là. Okay. C'est pas, fait qu'il faut les faire tremper pour qu'il y ait une bonne quantité d'eau. Fait comme ça, j'aurais pas besoin d'arroser, moi, là, après, là. OK. Parce que ça va être suffisant. Mes orchidées ont été humidifiées. Les racines sont toutes humides. Mon terreau est humide. Je suis correct. Fait que là, moi, mon but, c'était de rempoter... Ah, il y a de la racine après ça, hein? C'était de... Je voulais montrer quelques des racines extérieures. C'est elle, ici. C'était de les rempoter, les cinq, dans ça. Puis, faut pas... aller écraser. Habituellement, on va déposer une partie des racines dans le fond. Il y a une technique particulière là, ouais. pour faire ça. Là. Sauf que là, je peux pas aller pousser là-dessus. OK. Je vais tout casser des racines. Ben oui, ben oui. Mais là, il y a un trou aussi, là. OK. J'ai un vide, là. Oui, oui. Fait qu'il faut que je le comble, ce vide-là. On voit bien le vide, là. Ah oui, je me rentre les doigts dedans, là, on le voit okay. ici, là. Ouais. Fait qu'il faut que j'aille déposer du... terreau dans ce trou-là. Remplir le trou. Faut que je remplisse mon trou par en dessous, par en dessus. Faut... Puis là, c'est ça, c'est que j'y vais avec les doigts. OK. Parce que faut que ça rentre entre les racines. Mais faut pas écraser Mais les racines. Mais faut pas que je les écrase non plus. J'avais-tu parlé de mon géotextile, oui? Pourquoi j'avais mis ça là? Non. Parce que là, je le sens. Oui, c'était dans le but de ne pas avoir de mousse de tourbe. Parce qu'en de tourbe, c'est sur ma bibliothèque. Oui, en principe, c'est sûr que j'aurais préféré pas en mettre. Oui. Parce que à la longue, les racines, ils vont finir par sortir par les trous du panier. Trous. Ça serait très joli. Oui, ben oui, mais là, avec le géotextile, ben, ils pourront c'est pas. C'est ça. Ils vont passer ben, par-dessus. Pas laisser passer par-dessus. Ils vont passer par-dessus. Fait que là, on y va tranquillement comme ça, en remplissant bien les trous. Puis là, elle-ci, elle avait une belle quantité de racines aérienne, ouais. aériennes qui étaient en surface. Je vais les laisser là. Je les rentre pas en dessous parce okay. qu'il y en a suffisamment dans ça. Je trouve que on va être bien correct comme ça. Là, je vais y aller avec elle que je voulais mettre au centre parce qu'elle est comme égale. Ça va être assez particulier. Mais ça s'aille en fleurs, ça, là. Ça va être ben, super. C'est ça, j'ai hâte de voir. Ben oui! On va placer notre géotextile. C'est sûr qu'après, on peut quand même aller mettre une bonne petite pression pour stabiliser tout ouais, ça. Oui,
Mais tant que les vides ne sont pas remplis, on ne peut pas peser parce qu'on va casser les racines. Fait qu'il faut vraiment remplir nos vides avant d'aller peser là-dessus. Là, je vois, je commence à trouver que ça... Ça tient, là. Ça a du solide, là. Regarde. Ouais. Ça commence à avoir du solide. Fait que je vais pouvoir presser ça. Puis là, même si j'ai une partie de racine, ici, on voit que j'ai pas nécessairement beaucoup de terreau. Ouais. Là, on voit qu'il y a une partie des racines qui étaient dans le pot au début, okay, de celle-là, qui sont quand même visibles ici. Mais c'est pas grave. Mm. C'est vraiment pas grave. OK. Parce qu'elle est faite comme ça, mm-hmm, dans la nature. C'est ça. Elle a toujours les racines à l'air. Ouais. Fait que c'est pas une plante ordinaire, fait que c'est pas grave. En autant que j'ai un support de base, que ils sont fixes. Ils sont fixes. On le voit, ça bouge grand chose. Là, elle bouge un petit peu parce que j'ai pas rempli mes côtés. Mais ça se tient, là. Si je la soulève, ouais, si je la penche, ça se tient, là. Ouais. Fait que l'important, c'est d'avoir le support de base. Je suis pas obligée de remplir mon pot jusque-là, là, de terreau. Jusqu'à rebord. Non. Mais mon pot, mon panier. Panier, ouais. Mon panier. Fait qu'elle, là, il m'en reste deux. Je vais la mettre ici. Puis c'est sûr que s'il y a des racines qui veulent aller à l'extérieur, dans les petites craques, là, mon géotextile, il va pas nécessairement haut. C'est pas grave. Ouais. Moi, c'est juste une question de ne pas avoir trop de poussière. De poussière qui va tomber dans mon salon. C'est ça. Mais pour la plante, ça la dérangera pas. La racine va contourner le géotextile, puis elle va sortir par-dessus. Mmh. Si ça passe à travers les trous du panier, elle va être bien contente parce que ça va être très beau. Ben oui, ça va faire quelque chose de vraiment particulier. Ouais. Fait que c'est pas mal le principe là, du rempotage. L'important, c'est ça, c'est de remplir les vides comme il faut avant d'aller peser. Puis là, ben, on ne passera pas la journée dessus, parce que là, ça demande quand même un peu de temps. Oui. Fait que là, ça vous donne quand même une bonne idée, là. Oui, je ne finaliserai pas, je vais finaliser plus tard, tantôt, oui, toute seule. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Après le rempotage, comme je disais tantôt, là, je ne serais pas nécessairement obligée d'arroser. OK, parce que mes orchidées étaient très bien humidifiées, ils ont bu, parce que mes racines sont vraiment gonflées, ils ont des réserves d'eau, ils ont été bien arrosées, mon terreau est humide. Pas nécessaire d'arroser ça, là. Là, on va attendre que ça s'assèche complètement. Avant de réarroser. Oui, parce que là, je grossis déjà ma quantité de terreau. Ça va garder beaucoup plus l'humidité. Puis, comme je disais tantôt, des plantes regroupées, ça transpire. OK. Puis ça a un taux d'humidité un petit peu plus élevé que quand elle est tout seul isolée. OK. Ça s'évapore plus lentement. Fait qu'on y va mollo pour l'arrosage parce qu'on ne veut pas les faire pourrir. Oui. Les engrais. Engrais, moi, personnellement, les orchidées, mes phalaenopsis, j'ai opté pour les algues marines. OK. En tout et partout, je dirais que j'arrose toutes aux algues marines. Puis, je me suis dit, je vais le tester avec les orchidées. Puis, moi, je trouve ça parfait. Parfait, parce qu'il n'y a aucun risque de brûlure de racines. Oui. Okay. Puis, on peut fertiliser en tout temps, sauf au rempotage. Ah! Après le rempotage, on n'arrose pas pendant un mois. On la laisse se déstresser du stress qu'on vient de lui faire subir. Oui, okay. Parce qu'on l'a dépoté, on y a joué après racines, on l'a retravaillé dans le pot, un nouveau terreau. Un changement d'environnement aussi, parce que là, se retrouve regroupé d'un coup sec. C'est le microclimat qui change. Tout va changer. Ouais. Fait qu'on les laisse déstresser. On ne fertilise pas. Minimum un mois. OK. Moi, je peux y aller à 6 à 8 semaines. OK. C'est pas grave. Mettons 6 semaines, c'est bon. Mm. Puis, surtout là, à ce temps-ci de l'année, l'hiver, ben, on peut y aller... juste une fois par mois, sont pas en pleine expansion là, l'hiver. OK, ouais, c'est ça. Sauf qu'en janvier... Sont plus en, pas en dormance, là, mais... Ils sont sur le bord d'avoir une floraison. Ils sont au ralenti. Au ralenti, mais à partir de février, janvier, février,
C'est pas rare une floraison. C'est vraiment pas rare. Parce que la variation de température entre le jour et la nuit, même dans la maison, les plantes vont le sentir, c'est le facteur idéal pour les faire fleurir. Un bord de fenêtre, à l'abri d'un calorifère, bien entendu, l'idéal c'est d'avoir une tablette. On a tous des calorifères en dessous des fenêtres. Oui, c'est ça, mais il faut... Ouais, faut dévier la source de chaleur. Mettre un déflecteur, là. Ouais, si on a une tablette, on est correct, la chaleur va être déviée. On place les orchidées. Mais ça fait rien si la chaleur va ça en dessous de la tablette. La tablette peut être elle va devenir chaude. Plus ou moins. Plus ou moins. Pas tant que ça, à moins qu'on chauffe... qu'on soit des personnes qui tiennent ça à 80 degrés dans la maison. À ce moment-là, ce serait mieux de mettre sur notre calorifère, mettre un déflecteur. Si on peut avoir quelque chose qui peut vraiment dévier ou protéger de faire surchauffer le dessous, c'est l'idéal. Okay. La plante près de la fenêtre, ben là, c'est sûr que l'hiver, la fenêtre dégage une fraîche. Fait que la fraîche qui est dégagée la nuit, elle va être différente de celle du jour. On peut les placer au plein soleil le jour. OK. Sauf que c'est ça. Pendant la nuit, c'est sûr que c'est toujours plus frais pendant la nuit. Puis, il va y avoir un décalage de température. L'important, c'est que le feuillage touche pas à la fenêtre. À la fenêtre, parce que la fenêtre va être gelée. Mais la fraîche qui va se dégager de là va faire la variation de température souvent, puis ça va provoquer la floraison. C'est le fond. Hein. Fait qu'on ne fertilise pas après le rempotage. Là, je les laisse aller comme ça. Je vais peut-être me permettre une fertilisation fin novembre, début décembre. OK. Début décembre. Puis après ça, pas plus qu'une fois par mois là, pour les longs mois d'hiver. Après ça, je recommence au printemps. Avec les algues, l'été, j'y vais une fois par semaine. OK. Une fois par semaine aux algues. Puis là, ben, je vais avoir hâte de voir la floraison. La floraison de ça. L'hiver. Là, je parle principalement pour mon panier là, qui va être correct. Oui. Ensuite de ça, si on en a encore dans des petits pots, comme j'avais au début, avant de les rempoter, j'en ai encore une. Pour elles, en étant isolées, elles autres vont avoir un bon taux d'humidité là, parce qu'elles sont regroupées. Fait qu'il va avoir, parce que le phalaenopsis aime quand même un certain taux d'humidité relative ambiante, quand même plus élevé qu'une autre plante. C'est pas critique, elle mourra pas, mais c'est plus bénéfique si elle a plus d'humidité pendant l'hiver, à cause du chauffage qui assèche l'air. Fait qu'eux autres vont être quand même, somme toute, assez confortables, parce qu'ils sont plusieurs. Elle va être isolée, elle va être toute seule. Pauvre petite. Elle va avoir chaud. Ben, parce que là, son évaporation va être beaucoup plus rapide. OK. Parce qu'elle est seule, il n'y a rien qui va retenir son humidité. Là. Moins du courant d'air, l'air plus chaud. Toute la circulation d'air va l'assécher rapidement. Okay. Ce qu'on fait à ce moment-là, toujours mes petites billes d'argile que j'avais. Je prends une soucoupe que je remplis de billes d'argile. OK. Puis, je vais la remplir d'eau, mais juste vraiment pour voir un petit peu l'eau. Faut pas que j'immerge mes billes d'argile. OK. Je vais placer mon orchidée là-dessus. Dans le pot? Sur les billes d'argile. L'important, c'est que le fond du pot ne trempe pas dans l'eau. OK. Faut que j'aille juste assez d'eau pour pas que ça touche au pot. Puis, ça va l'évaporation de cette eau-là va créer un petit milieu humide, un petit micro-climat juste pour elle. L'eau va s'évaporer comme ça. Fait qu'elle va avoir son petit milieu humide. Fait qu'on s'assure d'avoir toujours un peu d'eau dans ce coup. On continue de l'arroser normalement, comme on fait d'habitude, en la laissant s'assécher complètement en chaque arrosage. Parce que là, l'humidité, l'eau qui va s'évaporer de là, elle va créer une humidité. Elle va probablement s'assécher moins vite. Ouais, c'est un fait. Sans nécessairement qu'elle trempe dans le fond, là, parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle trempe dans l'eau. Mais son milieu, en étant plus humide, elle va s'assécher un petit peu moins vite. Il n'est pas question de dire, c'est samedi aujourd'hui, on fait tourner des plantes, on arrose.
Non. On arrose une fois par semaine, deux fois par semaine? Non, on arrose au besoin. C'est ça. Ça, c'est valable pour n'importe quelle plante, de toute façon. C'est toujours au besoin de la plante. Mm-hmm. Puis le phalaenopsis, c'est important de le laisser sécher complètement. Fait qu'on vérifie qu'on ait toujours notre petite quantité d'eau là-dedans, que le pot ne trempe pas dedans, puis on continue de faire son arrosage. Normalement, quand elle est sec, point à la ligne, puis ça devrait bien aller pour l'hiver. OK. Bon. Hey, moi, je regarde des petites baies, là. Oui. Puis c'est parce que chez nous, là, j'ai une... J'ai une plante que j'ai comme négligée d'empoter quand c'était le temps. D'accord. Elle a fait des boutures. OK. Fait que je les avais mis toutes les deux dans un même vase. Dans l'eau? Dans l'eau. OK. Mais là, ils ont... Mais c'est normalement, c'est pas des plantes aquatiques, là. C'est des plantes pour mettre dans un terreau. Ça va être des plantes tropicales ordinaires. Oui, 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 c'est ça. Mais là, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le pot. Que les racines sont toutes mêlées ensemble. Je ne peux plus les séparer. OK. OK? Ils sont encore dans l'eau, là? Oui, ils sont encore dans l'eau. Oh. Puis ça fait plus d'un an qu'ils sont dans l'eau. Plus d'un an. Fait que je me dis, les transplanter dans un pot avec de la terre, ça va être un grand stress. Pas une bonne idée, hein? C'est 50-50. Soit que ça marche, soit qu'il meurt. OK. Parce qu'après une longue période comme ça dans l'eau, les plantes ont développé des cellules aquatiques. Ah, ils se prennent pour des plantes aquatiques. Oui. OK. C'est sûr qu'on peut faire des boutures quand on fait raciner une plante dans un verre d'eau. Oui, oui. Aussitôt qu'ils ont des racines à peu près un pouce de long, On peut les mettre dans un... On les rempote après ça. Mais là, ça fait un an. Ça... Fait que oui. Les plantes, ils ont comme développé un... Ouais, c'est ça. Oui, le système cellulaire va se développer en fonction du milieu de croissance. Fait que là, c'est vraiment... Ils sont belles. Sont belles, okay. Là, mes plantes sont belles, Un petit peu de fertilisant dans l'eau? Oui, je mets un petit peu de fertilisant. Okay. J'y vais quand même parcimonieusement, là, puis... Mais ils sont très belles, mais ils sont habitués dans l'eau. Là. Ouais, c'est comme, si tu veux les rempoter en terre, c'est j'hésite un risque. À les mettre en terre. C'est effectivement un risque. Ils peuvent aussi bien mourir. Si je les plaçais dans un pot avec des billes comme ça, des billes de... La bille d'argile. La bille d'argile, elle est effectivement utilisée pour la culture en hydroponie. OK. C'est facile de faire une culture hydroponique dans la bille d'argile. Fait que je pourrais tout foutre ça dans un beau pot avec des billes d'argile. Puis de l'eau. La bille d'argile va servir de substrat, de support, en fin de compte. Ça va maintenir tes plantes en place. Oui. Les racines vont se développer à travers. Puis tu continues à garder quand même ton niveau d'eau, là. Mm-hmm. Fait que c'est sûr. Ça te prend un pot qui a fait évidemment pas de trou dans le fond. Non, c'est évident. Hein? On va te ramasser avec une inondation. Puis non, il n'y a aucun problème. La bille d'argile est vraiment idéale pour ça. Okay. Ça serait plus... Tu as plus de chances de réussite en les gardant en hydroponie. OK. Puis à ce moment-là, ben c'est ça, tu vas fertiliser là, ton eau comme tu fais. Oui, 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 c'est ça. Depuis un bon bout, là, ils vont bien. Ils sont belles. Ils sont belles. Fais juste de te mettre un substrat dans un pot. T'as des petites billes d'argile, tigidou. Tigidou, laïdou. Ça va être merveilleux. Ils vont être pas mal moins stressés qu'en terre. Y avait-tu autre chose à ajouter au sujet de nos... Parce que là, il nous reste combien de temps? Là? Il nous reste okay. Un petit peu plus que 5 minutes. Ensoleillement? Oui. Lumière? Beaucoup de lumière? Pas de soleil direct. OK. Une pièce claire, sans soleil direct. Sans soleil direct. Sauf l'hiver. Sans soleil direct. Je me corrige. En été, soleil du matin. OK. Très bénéfique. Parce qu'il est très intense, sans être chaud. Mm-hmm. Aller jusqu'à peu près 10 heures. OK. Sinon, soleil de fin de journée, mais à partir de 4 heures. Mm-hmm. Mais il est moins bénéfique parce qu'il est descendant. Okay. Les rayons sont beaucoup plus faibles. Fait que tant qu'avoir un ensoleillement direct de quelques heures, c'est vraiment idéal le matin. Sinon, aucun soleil direct en été. Okay. On ne met jamais ça au sud l'été. Okay. Jamais. Elle va brûler.
Même avec un voilage? Avec un bon voilage, oui. OK. Là, il n'y a pas de problème avec un voilage, mais pas dans la fenêtre vraiment ouverte. Mm-hmm. Okay. L'hiver, plein sud, aucun problème. Parce que, un, les journées sont très courtes, deux, le soleil n'est pas fort. C'est ça. Fait que c'est même une bonne luminosité. Même si le soleil est directement dessus, non, y a le pas de soleil n'est pas, pas assez est chaud pas pour chaud. Les endommager. C'est ça. Sinon, c'est ça, c'est bonne lumière. Moi, j'ai installé un petit éclairage d'appoint. OK. Parce que j'ai vraiment pas de soleil direct. Puis je les ai gardés au soleil direct seulement fin de journée, depuis un bon bout. Puis là, on voit qu'ils se comportent très, très, très bien. Mm. Quand même. Puis l'hiver, c'est sûr que l'hiver était plein sud. Ouais. Je fertilise aux algues. Ça a l'air à bien aller. Mois de décembre, l'année passée, ils ont tout fleuri en même temps. Ouh! Ils étaient tout en fleurs en même temps. Mm-hmm. Fait que ça, je trouve que ça va bien, là. Puis c'est ça. C'est bonne lumière. Moi, j'ai pas de problème. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour pas mal de nos orchidées. Sont faciles. J'avais une question, moi, à poser. Bon. Quoi? Parce que je t'ai vu mettre beaucoup d'orchidées dans le panier. Oui. Y a-t-il un risque que les racines s'accrochent, entremêlent, se brisent, d'après ça, des mettre dans un autre pot, là? Ils vont s'entremêler, c'est évident. C'est évident, toutes poignées comme ça. Qu'ils se brisent. C'est moi qui vais décider comment est-ce que je vais les dépoter. Si, en prenant des précautions comme on a fait en les sortant des pots. Parce que s'ils passent à travers les mailles, ça va être. Mais là, j'ai moins de chances qu'ils passent à travers les mailles à cause de mon géotextile. Ouais. Ça va éviter ça. Mais c'est sûr que si, oui, il y a des racines qui sortent, je vais probablement être obligée de couper. Mais en les défaisant, je vais être obligée de les travailler tranquillement, lentement, en essayant de briser le moins possible. Mais oui, c'est bien évident que je vais probablement en briser. Mais c'est quand même assez solide, Phalaenopsis. Ben, j'en avais une autre question, Le régisseur, qui est tout à l'heure. Si une plante, je sais pas, là, qui pogne un parasite, un virus, une maladie, c'est-tu un risque pour toutes les plantes? C'est-tu arrivé? Oui. Oui, effectivement. Si j'ai une plante dans le salon qui va pogner, un tétranique, ou une petite araignée rouge ou une cochenille. Ça se promène, puis ça peut être contagieux dans toutes mes plantes. C'est sûr que si je vois un intrus en quelque part, il faut que je traite et que j'inspecte toutes les plantes de la maison. Mm. Ça, c'est certain. Puis, orchidées regroupées comme ça, c'est sûr que oui, si je vois un insecte là-dessus, je fais ni un ni deux et je les traite d'emblée. De suite. Je les traite d'emblée parce que là, ils sont trop collés. Ils vont en avoir ailleurs, c'est à peu près évident. Oui. Fait que je vais traiter tout de suite. Mm. Puis je vais faire une inspection dans le salon, c'est sûr. Une inspection minutieuse. Mais quand tu as beaucoup d'orchidées regroupées comme ça, est-ce que c'est plus sujet justement à attirer des insectes? Pas sujet à les attirer, absolument pas. Okay. Absolument pas. Ça va être un pur hasard. C'est surtout l'été qu'on a de la misère avec les insectes parce qu'on circule beaucoup à l'extérieur. C'est ça. On ouvre les fenêtres, on circule à l'extérieur. On va se promener chez des amis, on s'assit dans la pelouse. On peut ramener n'importe quel petit insecte minuscule sur nos vêtements, sur nos mains, sur nos bras. On arrose nos plantes, on met le gilet là. Le petit insecte part à voler, il se trouve un petit nid là, il va pondre, c'est parti. Mm. Fait que c'est vraiment pas une plante qui va attirer les insectes. Il n'y a pas de plantes qui vont attirer les insectes. Il y a des insectes qui sont attirés par certaines plantes à cause de... Le meilleur exemple qui me vient, c'est poivron. Plante poivron égale puceron. C'est presque impossible d'avoir des plantes poivrons sans voir un puceron un jour. Mm-hmm. Ils préfèrent, les pucerons préfèrent les plantes de cette catégorie-là. Okay. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai énormément de plantes dans la maison que je vais avoir une prolifération de bébites. Non, j'ai toujours eu beaucoup de plantes. J'ai déjà eu des insectes. Ouais.
Mais j'ai jamais acheté... On va revenir avec ça, les insectes. Là, oui. On avait parlé un petit peu dans les premières émissions, là, des pucerons, on avait effleuré. Parce que là, l'hiver, c'est un problème parce qu'on est confiné à l'intérieur. Oui, c'est ça. Il va falloir revenir là-dessus. Oui. Là, avec, le régisseur, il fait des grands signes. Oui, oui, il fait des grands signes. Bon, OK, ça a l'air que ça vient de... Côté cela. Fait qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine.